un caisson donc de baffles qui aujourd'hui est recouvert d'une protection, mais lorsque je la soulève, eh bien, on a accès à tous les dispositifs de haut-parleurs avec notamment les collerettes en PVC, les mousses qui vont. Et vous observez à l'intérieur de ces caissons de baffles la petite partie centrale qui est renfoncée. En fait, c'est assez simple. C'est simplement que quelqu'un s'est amusé à mettre le doigt et a vraiment enfoncé. S'est fait plaisir, en fait. Là, en l'occurrence, c'est mon fils qui trouve ça tellement rigolo qu'il recommence régulièrement. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est de vous montrer comment remettre d'aplomb ce dispositif sans se ruiner d'une manière très simple. Certains utilisent de la colle, bon, d'autres du scotch. Ce sont des méthodes que j'essaie qui. Je n'ai pas eu de résultat, on va dire, satisfaisant. Il y a une méthode assez simple, qui coûte pas cher, et qui est très pratique et rapide. C'est tout simplement l'aspirateur. Je vous montre. Donc, on va simplement enlever le balai brosse, se mettre en puissance, une puissance plutôt élevée. Alors, je vais mettre la puissance maximum. Et on y va. On n'a plus qu'à aspirer. Et voici le résultat pour avoir un son optimal. Il ne reste plus qu'à faire. La même chose sur le deuxième caisson et le son sera parfait. Allez, tchuss, à bientôt.